Le groupe Raboul-Tilleul est un groupe de construction, promotion d'à peu près 800 millions de chiffre d'affaires et de 2000 personnes, présent dans toute la France, plus la Belgique et la Pologne. Le groupe Raboul-Tilleul s'est engagé en développement durable depuis une petite dizaine d'années, on va dire, sur une conviction stratégique que c'était le sens de l'histoire, c'était là où il fallait aller sur notre métier de la construction, notamment parce qu'il y avait beaucoup de solutions techniques qui préexistaient et on n'avait plus qu'à les mettre en œuvre pour faire bénéficier les territoires. Donc il n'y avait aucune raison qu'on n'y aille pas et on y va avec plaisir. Depuis 2011-2012, on a développé une démarche d'éco-conception qui est spécifique pour tous les projets du groupe où on a la conception. Donc tous les projets de Nakara qui est notre promoteur immobilier, tous les projets de Jérim qui est contracteur général et puis toutes les constructions et réalisations de nos constructeurs, Raboul-Tilleul Construction. Donc systématiquement, 15 questions de développement durable sont posées sur tous les projets et on pousse les curseurs le plus loin possible en fonction du contexte d'affaires. On a eu la fierté que l'AFNOR certifie exemplaire notre démarche d'éco-conception. Ça a été renouvelé là, il y a quelques semaines, donc on est plutôt content de ça. Néanmoins, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la démarche d'éco-conception, c'est le résultat des bâtiments qu'on construit ou qu'on rénove avec cette démarche et le fait que les gens qui vivent ou qui travaillent dans nos bâtiments soit heureux dans des bâtiments performants d'un point de vue écologique. Les Green Building Solution Awards et Construction 21 sont importants à plusieurs titres pour nous. La première, c'est que les réseaux sociaux et numériques, de manière générale, sont en train de révolutionner la manière dont on conçoit le métier du BTP. On est peut-être le dernier secteur sur lequel ça arrive. Donc il est important pour nous de trouver des partenaires performants sur ce sujet-là. Il nous semble que Construction 21 est le réseau social de référence sur ce sujet. Et ensuite, en ce qui concerne notre adhésion et notre soutien au Green Building Solution Awards, la catégorie réhabilitation, qui est une activité nouvelle pour le groupe Raboul-Tilleul depuis 4-5 ans, mais qui prend de plus en plus d'importance, je crois que c'est aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires de Raboul-Tilleul Construction, c'est une catégorie qui est donc importante d'un point de vue business, qui est aussi fondamentale pour le territoire français, pour les territoires occidentaux de manière générale. Pour suivre les objectifs de la COP21 et de manière générale pour lutter contre les gaz à effet de serre, il faut rénover tous les bâtiments français. Et donc c'est pour ça qu'on s'y engage pleinement. Il nous semble assez logique qu'on soutienne le Green Building Solution Awards dans la catégorie réhabilitation, même si on a plutôt l'intention de gagner la catégorie plutôt que de seulement la sponsoriser.